Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est votre frère Massanta Benito qui va faire une super présentation par rapport au concert de l'année. Le concert, oui, le concert qui sera du jamais vu. Oh, allô? Ogoro, venez, bonsoir, le concert Massanta Benito a l'honneur de vous présenter le concert de l'année. L'année, concert. Voilà, partagez, bonsoir, 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 bonsoir. Le concert de l'année. Le concert de l'année, oui. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en direct du plus grand concert. Le plus grand concert de l'année, le concert de l'année. Voilà, le concert. Voilà, je suis allé avec ma nouvelle épouse que j'ai récupérée dans la main de mon co-époux, Mariam Diallo, Mariam Ba. Oh, yeah! Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, nous sommes en direct. Voilà, du concert, le plus grand concert, le concert de l'année. Bonsoir, bonne même-moi, Benito. Non, ma concert rabat, foya ma fa. A famane. Bonsoir. Partagez, merci à mon ami Ndiaye. Partagez. Mettez assez de cœur. Voilà, merci. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez. Papa d'autre. Ngaï. Pare. Maintenant, toi, tu veux accuser qui? Partagez, mettez le gars. Benito Damaro, Benito Damaro. Toi, tu es. Toi. Non, mon ami Hamidou, frère, il faut rire dans l'eau. Hein. Mariamba, ma chérie. Mariamba, bye. Madame Benito. Mariamba, what the je voudrais dans ce petit direct. Je le dis carrément, avec. Je ne suis pas content parce que quelqu'un a tapé poteau ou quelqu'un n'a pas écouté moi très bien. Le message que les Guinéens ont envoyé à tous les petits supporters du CND était un message clair. J'ai tourné mon képi comme ça parce que je suis un ancien toc de Mamou. Nous sommes les anciens togs de Mamou, Petel. Ceux qui connaissent Petel à Mamou, nous sommes les anciens togs de Mamou. Bientôt, nous allons sortir un album. Inch'Allah, si Dieu veut. Mais nous sommes dans le sérieux. Nous sommes dans la récupération de ce pays. C'est ce qui nous intéresse. Est-ce que vous comprenez? Donc, je voudrais rendre hommage à ce qui est plus important pour moi, Bento, ce qui s'est passé du côté de la Tour, en France. Vous comprenez? Ce qui s'est passé à Paris, en France, à Tours. Ce petit direct, c'est pour vous dire merci. Parce que si les gens pensent que nous dormions, est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Nous ne sommes pas dans l'amusement.
Ce qui me plaît dans votre comportement à Paris, c'est parce que vous avez mis dans votre tête que nous ne sommes ni dans le EPG, ni dans l'IFDG, ni dans l'IFR. Pour le moment, nous sommes dans la récupération de ce pays. Nous avons entendu des propos qui nous ont soulagés. Nous avons entendu des dits qui nous ont soulagés. Parce qu'il faut expliquer à ces individus que l'argent du contribuable qui prend là pour venir organiser des soirées, chanter la musique, tout va bien en Guinée, vous savez, c'est parce qu'ils ont l'argent. Que c'est l'argent des Guinéens, du peuple guinéen, qui devait être utilisé aujourd'hui pour autre chose, pour des sinistrés, pour des routes gâtées dans ce pays-là. Donc, voilà pourquoi je vous dis merci. Je ne vais pas faire passer la vidéo ici, parce qu'il y a des injures dedans. Il y a des injures dedans. Ce n'est pas ce qui s'est passé au stade là-bas, Petit Solis. Ça, c'était prévisible. Je lui ai dit, par interposition, moi, je lui ai dit, le travail d'un artiste là, c'est d'avoir un contenu. Et c'est vrai, avoir un contenu. Ce que tu chantes là doit être attractif. Ce que tu dis là doit envoyer les gens. Mais si c'est pour venir insulter les parents des gens, insulter les gens, nous sommes des communicants, des activistes, des trois principaux partis pour dans ce pays-là. Tu t'en prends à nous là, tu tombes à terre. Parce que ceux qui nous supportent là, nous travaillons, nous communiquons pour des partis politiques qui sont pour l'intérêt de ce pays. Donc sans prendre à ces communicants, à ces activistes-là, mon ami, tu peux pas avoir de produits. C'est ça le problème. Faut comprendre ça. Nous avons dit à tous vos enfants qui peuvent insulter, comme celui qui était à Baba Touré. Il est venu, il a insulté. Ce que vous pouvez là, c'est insulter. Ça, c'est clair. Ça là, c'est un don de Dieu. Vous pouvez insulter. Toi-même, tu l'as dit. Qu'un soussou qui n'insulte pas là, qu'on sait quoi là-bas. Et ce qui est faux, il y a des soussous, ils s'en foutent même des injures. Mais comme Dan Kadinira, Baraka Taré, voilà, aujourd'hui, tu es en train de sentir, voilà la honte qui est versée sur toi. La honte. Moi, je suis dans l'affaire de Paris. Ce qui s'est passé en France, j'ai le cœur plein de joie. Simi Paikoy, Sofalioy, excusez-moi le terme, Bandio Perdukoy. Donc, Ama, avec notre argent, on sauve avec notre argent, des bandes mal habillées. Mais pas que on mène comme un Togoé. On est encore Togoé. Mignon. Bon. C'est-à-dire que vous êtes à l'image de Ousmane Gawa. Ndare, Bobo et Makoke, Ndare, mo. Ousmane Gawa, regardez-le. Yo, Brahi, yo, mo. Bobo et Konodi. Ça y est, Tagado. Lo, ha, horen, no, uri, no, uri. Lo, ha, en bas. C'est que Kaikolo et Konofandi. C'est la même chose. Donc, vous êtes partis. Regardez-vous. La musique que vous avez mis de la musique. Regardez la salle. Écoutez le DJ. Qu'est-ce qu'il dit d'important? Et puis ce qui me touche, tout de suite là, dans la salle où vous étiez là, God Aradon directement. Inaondon, John Mengabi, vous organisez ce que vous êtes en train de faire pour le CNRD. Parce que Doumbouya, Ousmane Gawa, nous savons très bien. Moi, je suis, voilà pourquoi j'ai toujours respecté Selou. Je l'ai dit, hein. Selou Dalen Diallo, je le respecte en tant que quelqu'un qui respecte, c'est-à-dire qui est de caractère. Moi, j'aime un homme de caractère. Je le répète, nous avons dit à Selou, excusez-moi quand j'ai dit Selou, et là, Selou Dalen Diallo, nous avons dit à LSC Dalen Diallo, viens travailler avec nous. Selou nous a dit, moi aussi, je veux ce poste-là. Le poste de président. Je vais moi aussi diriger à ma façon la Guinée. Je vais rajouter cette pierre à l'édifice.
Après quelque temps, c'est lui vient encore, envoie-nous des ministres. Non. Mes cadres qui sont là, vont travailler avec moi. Nous allons créer, nous allons produire. Il n'y a pas ce que nous n'avons pas fait. Le gars là dit non. Voilà ce qu'on appelle opposant. Tout de suite là au Botswana, il y a eu investiture du nouveau président au Botswana. Depuis l'indépendance en 1966 au Botswana, c'est un seul parti politique. De 1966 jusqu'à hier, c'est un seul parti qui dirigeait le Botswana. C'est cet avocat-là, ce jeune avocat de 54 ans. Plus de 20 ans, il se bat. Hein? 20 ans, il se bat. Il est devenu président, il a prêté serment au Botswana. Voilà ce qu'on appelle la parole. C'est ça, ce qu'on nomme Ifa là. Mais quand ça y est, un dope, un colloque, un mafé, un yama, un tali mafé, un doko foot, un yama, un doko collatu, un yama, un doko ni, un colloque, un yama, ou qu'est-ce que c'est. Mais des personnes comme ça ne peuvent pas prospérer. Regardez la honte. Les gens vous ont dit, nous voulons ce pays, nous voulons récupérer ce pays. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Et puis qu'on en voit dit, vous avez fait, c'est-à-dire vous êtes en train de vous mentir. Personne n'est Doumbouya. Personne n'est contre Doumbouya. Personne n'est quelqu'un dans ce pays. Mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, c'est qu'on vous dit que Doumbouya avait dit, il a fait son coup d'œil. Il dit clairement, je vais faire 24 mois. Il a signé le 24 mois avec la CEDEAO pour rendre le pouvoir. Maintenant, c'est à la fin que ton dépêchement d'un coin nous gomme. Maintenant, Mouraoui, pendant 3 ans là, nous sommes des aveugles comme nous n'avons pas vu ce qui se passe pendant 3 ans. Quelqu'un qui tue, qui agresse, qui crée la peur pour gouverner, parce qu'il crée la peur pour gouverner. Un beau matin comme ça, vous levez pour nous dire que c'est ce dernier que vous voulez pour combien de temps? Et puis pour 2040, c'est-à-dire vous chantez, imaginez que nous, en ce moment-là, Doumbouya a 41 ans. 41 ans plus 16 ans. Donc, Doumbouya va avoir combien? Doumbouya a 41 ans plus 16 ans. 57 ans. 57 ans. Attendre après 16 ans pour que lui rende le pouvoir. Parce que lui, il est qui? Il est qui? Parce que lui, il est qui? Et puis c'est là-bas que tu vas voir les petits mandingues là, des perdus. Qu'on a, comme manding, on a supporté mandingale. Je l'ai dit ce matin. En tant qu'Amaloya. Donc quand on vous dit qu'il y a une cérémonie où chacun doit avoir son meilleur ambassadeur, doit envoyer son meilleur ambassadeur, vous envoyez un délinquant. Koumanya Fodia. Bonne présentation d'IA. Où on doit envoyer les bandits, tout le monde n'a qu'à envoyer son meilleur. Donc vous, c'est Doumbouya, vous allez envoyer quoi pour nous représenter. C'est lui qui a un passé. Et tout le monde sait comment il est arrivé au pouvoir. Vous voulez que toi, le représentant dit. C'est lui que vous choisissez pour être représentant du mandé. C'est lui qui a le sang sur sa main. C'est lui que vous vous envoyez. Alors qu'on le dit. Même ceux qui sont à l'intérieur. Doumbouya n'a pas de parti politique. Doumbouya, là, vous pouvez nous dire que Doumbouya a des militants. J'ai vu un individu, un vaurien, connaît que ce sont les militants de Doumbouya. Quand j'ai écrit en bas, mais mon frère, Doumbouya n'a pas de militants, il est venu insulter mes parents. Mais je pense que, comme il est un peu âgé, il a 55 ans, il est un peu surpris, quoi, du fait que je l'ai répondu. Mais il est surpris parce que la façon dont il a envoyé, c'est comme ça, j'ai retourné. Il dit, j'ai dit, toi, c'est toi-même. La façon dont tu as osé m'insulter, c'est mes parents, c'est comme ça, je donne pour toi. Et puis c'est tout, on est quitte. Écris mon nom, garde le commentaire. Quand on sera en Guinée, viens te flanquer devant moi. Pourquoi tu m'as insulté? C'est toi qui es venu me provoquer. Tu es venu sur ma page pour me faire la morale. Et puis ce qui est marrant, ce qui est honteux, rapidement, comme ça, c'est vous qui sautez pour appeler les gens. Et qu'Alain a dit, merci mon frère Souma.
Mangé Anali. Pourquoi vous courez pour dire non? Tu sais comment on va faire? Anakete, Mandinkole, Mandinkombala Falnyana. Je préfère un représentant propre, digne pour le mandé, qu'un délinquant, un assassin. Donc, encore une fois, merci. Je vous dis merci, très, très cher jeune de la tour et ses tours en France. Vous avez encore une fois, et puis ce qui m'a plu, vous détenez des photos des personnes aujourd'hui qui font l'objet de recherches en Europe. Il n'y a pas une institution aujourd'hui en Europe qui ne cherche pas Foniké Mangé Bilo. Vous avez vu, les gens ont demandé, ah, vous êtes les partisans de ces messieurs-là. Vous avez vu, non? C'est très bon de rester derrière la bonne cause. Vous avez vu, c'est très intéressant de rester derrière. C'est-à-dire, vous avez les photos de Bilo et de Foniké Mangé. Les gens vous ont demandé si c'est pour ceci-là vous battiez. Vous avez vu ce que ça fait? Vous avez vu l'effet? Vous avez vu, non? Même si la police venait vous arrêter, vous présentez ça à la police, vous allez avoir gain de cause. Vous allez partir sans problème. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui. Toutes les institutions internationales savent aujourd'hui que la société civile est assassinée, brutalisée en Guinée. Donc, vous pensez que les gens ne connaissent pas le nom du tyran, de l'assassin en Guinée? Il n'y en a pas. Les petits maires, les maires qui sont dans les petits villages en France, là, vous les demandez, Mamadi Doumbaï, ce qui me plaît, c'est les Français, ils l'appellent le légionnaire. On vous dit que c'est le légionnaire qui est parti faire coup d'état dans son pays d'origine. C'est la vérité, c'est son appellation. On dit que c'est le légionnaire français qui est parti faire coup d'état dans son pays d'origine. C'est comme ça. Nkoukouma et Fola, Afoua Fonyama. Ils pensent qu'ils sont dans le beurre. Regardez, vous avez l'argent, vous avez les vécus de ce pays, mais pas dans le bonheur. Regardez, quand je vois Samuka Berete, Samuka Berete était dans le convoi des personnes qui partaient pour la route, pour la vulgarisation de l'avant-projet. Et qu'est-ce que lui dit? Il dit non, c'est pour ne pas perdre son poste. C'est honteux pour toi, mon petit frère. C'est très honteux, Samuka Berete. C'est honteux, c'est très sale de ta part. Qu'est-ce qu'Alpha Conde ne t'a pas donné? Qu'est-ce que le régime ne t'a pas donné? Allez-y voir. Comment il s'appelle? Toi, Magasuba, là. Il s'appelle quoi? Puissance Magasuba. Quand nous partons pour honorer son excellence, ça vous sert à quoi? Dans tout ça, là, tellement qu'il y a un Aoud Latien, vous gaspillez notre argent, même quand vous initiez quelque chose. Les membres même du CD ne se déplacent pas pour aller. Regardez à tout aujourd'hui. Ousmane Gava, avec tout ce que tu as investi, parce que nous avons le montant. Tu as investi 70 000 dollars. 70 000 dollars, location 16 et autres. Tout, 70 000 dollars. Plus de 600 millions de francs guinéens. Donner l'argent aux jeunes, là, beaucoup, les chefs. Mais vous, les anciens de l'IFDG, là, parce que je vous appelle comme ça, vous avez dit, on n'y qu'on a figuré. C'est les partisans de l'IFDG qui ont peur de vous. Mimi en Lyon, si on fait là, venez sur ma page. J'ai vu le commentaire de quelqu'un de Serac. Moi, je vais te dire, mon frère. S'il y a quelqu'un qui est indigne là, quoi, non? Vous êtes battu en Europe pour le IFDG, pour ces loups, pour le parti. Toutes les manifestations pour, selon vous, le troisième mandat, 20e mandat, où nous avons gagné les élections dans ce pays-là. Donc, Arco Fernandez. Aujourd'hui, c'est un petit qui a un bon. Mais ça dit, bon, il m'a connu un côté, il m'a connu un côté. Binta, comment vas-tu? Contre Ousmane Gawalon, je vous dis, vous les petits, vous les anciens de l'IF, parce que nous, vous dites que non, que l'IF est pour vous. Je n'entrerai pas dans un débat, il ne va pas être dans la main. Il n'a pas l'IF dans la main. Je vous ai dit que ça me regarde. Et je vous invite dans ce débat-là. Je vous ai déjà dit, sur un indifférent, vous avez des arguments. Venez sur ma page. J'ai dit à Djuldé, il n'a qu'à venir sur ma page pour dire que oui. Pourquoi il faut ça à l'IFDG? Qu'il me le dit. Je l'ai même tout fait inviter sur ma page. Mais à nous, il est à Paul Diamacodé, on va la compagnie. Faut venir. J'ai pris ces anciennes photos dans l'IFDG
Mon bordi, la petite photo est là, c'est lui. Tu prends la photo, tu embrasses toutes les photos. Aujourd'hui, c'est toi qui étais devant la porte. Tu veux boxer même le petit là. Aïe, mon fala au coup de Dieu, ma codingue, colonne, devant tout le monde. Pourquoi tu as fui? Vous ne savez pas combien de fois les gens sont déterminés. Mboukoui. Combien? Mon calé m'en donne 200, 300 euros. Hakulemon Allah. 300 euros, c'est quoi? 300 euros. 300 euros, c'est quoi? 300 euros. 300 euros. Qu'est-ce que Ousmane Gawa gère? Moi, si je dois perdre ma dignité, je l'ai dit, si je dois perdre ma dignité, c'est si je suis fait à la comédie, tu me moutas. Voilà, avec honneur. C'est-à-dire, si oui, c'est à cause de 200 000, 300 000 dollars. Il ne m'a pas connu bonheur. Oui, donne de la mine 200 000 dollars, mais ferme un doukanko, et puis je m'en vais. Lani, mais pourquoi? Fou, 200, 300 euros. Mais donne à l'endroit, sauf en donne à l'aïe. Maintenant, c'est l'unébi, j'ai entendu même, comment il s'appelle là? Ouribaylo. Ouribaylo. Yalla, directeur Ouribaylo, je te connais depuis maman. Je te connais depuis maman, Boulbine, terre rouge, Nandou, ma petit. C'est pas parce que tu as la taille aujourd'hui, je t'ai vu petit, terre rouge, donc Boulbine, je t'ai vu terre rouge, Boulbine, je t'ai vu petit. Corail, dis donc. Je t'ai écrit aujourd'hui parce que nous sommes amis. Tu m'as envoyé une vidéo, j'ai accepté. Tu m'as vu. Il faut plus me dire koto. Regarde-toi, Ndadon, Alpha Ousmane, Kotoma. Ton grand frère de lait. Va voir ton grand frère de lait. Kotoma, Nene Goto, Baba Goto. Il a tout fait. Il t'a dit d'arrêter. La dernière fois, il m'a appelé ministre de Païkoukou. Laisse-le. Laisse-le. Parce que tous ceux qui ont grandi à Mamou m'appellent par mon prénom. Mihala Nima, je t'ai déjà dit petit. Mina Mihala Nima, je t'ai déjà dit. Toi, tu penses que la ville est terminée, quoi? Nous allons nous retrouver à Mamou, à Petel là-bas. Parce que moi, j'y vais souvent. Quand je suis en Guinée, je vais à Mamou. Souvent à Mamou. Mihala Nima, je t'ai écrit ce soir-là. C'est toi qui voulais gifler le petit. Babé. Hélène, tous. Mais, et puis ton frère travaille. Regarde, Ndari Soudmanou Boulbine. Ndari Soudmanou Boulbine, c'est ce que ton frère a fait. Ndardon. Ndari Bao Isoa, Ndari va dire Isoa. Ou bien, c'est pas chez vous, Ndari Soudmanou. Je le dis très bien, fille Andoui. Je parle de toi. Isoa, Ndari Soudmanou Isoa. Parce que, combien? 2 hectares. En quoi? À cause de 300 dollars. Qu'est-ce que ton frère n'a pas fait pour l'IFDG? Il se bat dans l'IFDG. Moi, impliqué dans l'IFDG. Aïe, faut en Europe, donc tu ne respectes pas ton frère. Il faut respecter ton grand frère. Ça a discuté la politique. Ça a dit, il faut avoir honte. Regarde-toi. Je t'ai envoyé le montant que vous avez reçu. Pourquoi tu m'as dit? Qui t'a dit ça? Et puis, Asika Koyangore. Tu penses que nous sommes. T'as dit Asika. Kouloumi Alama. Kouloumi Alama, petit souris. Mini petit souris. Il faut appeler votre père. Ce n'est pas parce que tu as la taille. Hein? Il y a un Gore. Mais Ani Madou. 300 euros. Ousmane Gawal. Demande-le où il a levé cet argent. Quand on était d'imbouli, au mois d'élevage, égale comme accord, c'est avec quel tracteur? Les tracteurs partagés ici. Il a un élevage. Élevage de combien de têtes? Mais Yakti Gaïm, Sengiti, les gens qui ont des problèmes pour leur faire peur, on va 3-4 bœufs. On va 3-4 bœufs. Ouais, c'est le gars de Tan, oui. Tanou, je m'excuse beaucoup, c'est ton gars, hein? C'est ton gars même, Tanou. Tanou, c'est ton gars. Copain, que moi. Mais ça, je fais ça, attirons entre parenthèses. Parce que moi, je vais régler les comptes un an, hein? Mais en libre.
Il y aura un quoi assez là. Et puis ça s'arrête là. Mais regardez aujourd'hui. Non mort, non costaud. Mais regarde, vous battez pour quel, pourquoi? Ming, min berito. Awawata warandelan. Wara inbe amben, warabe. Et puis tu aimes mes parents. Aïda inbe amben, aïda be. Sincèrement, je sais que tu les aimes pas. Et puis groupe mon vok ethno. Goto yidanen. Mi momi heka. Tous les jours pour cette personne. Si moi dit, moi, je sais. Ce n'est pas un problème d'RPG. C'est de regarder ce qui est normal. Il nous dit, nous vraiment, fota. Fota. Plus de 47 morts. Même autant. Notre temps là. Comme de Varaino. Ça va dire total de combien de morts? Et nos parents du mal, exécuta. On n'a ni foule mon yakatao. Mais avec tout ça là, ça dit mia, dit le poule, dimo. Original des dix fils de Mamou, ben no heka, pour quelqu'un. Ça, en ce moment, non moins, il allait exterminer ethniquement, faux, au djibano. C'est un problème de réflexion, ça dit qu'horé. Hande mojibu de hali pula, regardez, mon acti, direction hali pula, mais crée, ndaru la confusion qui sont en train de créer à moi une Guinée. Haïsku, kouya, Ousmane Gawal est devant ça. Moukiti! Kouyon ndaru. Il n'a même pas de forêt. T'as vu, nous, en forêt, c'est déjà réglé. Quand ils ont dit en forêt, j'ai dit, vous commencez par libérer. Si vous voulez nommer des nouveaux forestiers, si on fait là, nommer des nouveaux forestiers à leur poste. Nous, on s'en fout de ça. Non, non, Birto Badi. Voilà, je préfère Diallo. Les barres ne sont pas sérieux. Vous comprenez? Nous avons été très clairs. Et nous insistons là-dessus. Tu veux. C'est qui veut. Maman. Tu veux la forêt. Tu comprends. Ça dit, c'est les règles. C'est les règles. J'espère bien que vous allez programmer encore. Vous allez programmer. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, excusez. Nous avons été très clair en forêt. Parce que tout ce que vous allez faire là, c'est un échec. Vous connaissez l'origine des échecs. Vous savez réellement pourquoi les échecs. Tu ne peux pas humilier l'être parce que quelqu'un qui a même âge que ton père. Tu ne peux pas honnir quelqu'un qui a l'équivalent, c'est-à-dire qui a presque l'âge de ton papa. Nous, ceux qui ont la chance d'étudier le Coran, ceux qui ont la chance de maîtriser les leçons de morale, instruction civique, tu ne peux pas humilier ça. Tu ne peux pas humilier une telle personne et puis que tu t'en sors. Le malheur de ce pays-là, c'est le problème qui est entre Doumbouya et Dieu. Entre Doumbouya et Dieu. Donc le peuple est au milieu de ça. Donc, moi j'ai pensé que les quelques-uns là, parce que nous connaissons 95% au Fouta, sont passés par l'école sur la terre. Ce n'est pas l'école franco-arabe ou bien madrasa, non. C'est Kudjango Ba, Signi, Emin, Pitu, Alif, Lam. C'est-à-dire à terre. C'est ce qui a été étudié au Fouta. Hein. Même nous les étrangers qui sont nés là-bas, nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. Mon père m'a pris la donnée à un Karamoko cadeau. Je dormais là-bas, hein. Je dormais là-bas, ça c'est Alléluia là-bas, à l'Insansaran. À l'Insansaran là-bas,
on m'a donné à mon maître coranique. C'est là-bas, j'ai resté, j'ai parti mercredi. Je partais au champ avec mon Karamoko. On partait au champ tout. Hein. Je venais dire, c'est le mercredi, quand je dépose mes bois de nyonçon, je m'en vais dire à mon papa bonsoir. Et puis je reviens, c'est mon Karamoko. J'étais là-bas. C'est là-bas que je vais à l'école. Et je suis le fils du sous-préfet, mais il n'y avait pas de fils de sous-préfet. Demandez, même les étrangers, les Malinkés, les Guerzés, les Thomas qui sont nés à Moyenne-Guinée, ceux qui sont musulmans là, sont passés par le Coran là. Mais au moins, qu'est-ce qu'on vous dit? Ton maître là, tu t'en vas couper les bois pour ton maître. Et toi, tu te lèves, tu suis la femme de ton maître, ou bien tu humilies ton maître, tu penses que Dieu va te pardonner. Voilà ce qu'il y a de Toumbouya en face. C'est Alpha Condé qui l'a fait, même s'il ne reconnaît pas, ses parents ne le connaissent pas. Donc, tout ce que vous allez entreprendre, ça va échouer. Donc, pourquoi vous ne venez pas? Binda, s'il te plaît, arrête, pardon. C'est les mots, c'est les anciens mots, oui. Pourquoi? Mais vous préférez prendre, hein? Ça dit qu'on met 300 euros, 200 euros, oui. Vous prenez ça. Regardez en forêt aujourd'hui. Où est Bernard Gomou? Bernard Gomou qui chantait là. Où est Bernard Gomou aujourd'hui? Hein? Où est Bernard Gomou? Bernard Gomou au Canada, il ne peut pas parler parce que les Canadiens sont en train de fouiller. Vous avez vu la nouvelle loi canadienne qui vient de sortir? Le chef du gouvernement du Canada, ils ont pris une décision contre les immigrés et les résidents. C'est très chaud au Canada comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Regardez aujourd'hui à Kouroussa. À Kouroussa, vous avez vu les images. Vous avez mis combien pour que les gens viennent? Ils ont fermé les écoles, mais les gens sont partis à la maison. Conco et Mola, ils n'ont pas à manger. Mais quand on vous parle, on dit non. Selon, j'ai écouté même, il y a un qui a fait un discours qui parle de qu'ils ont fait 1000 combien kilomètres à l'intérieur, ils ont fait 2000 kilomètres, je ne sais pas où, ils ont fait 300 kilomètres à Conakry. Quand vous regardez la ville de Conakry, où sont les 300 kilomètres? Si vous offrez 300 kilomètres à la ville de Conakry, les gens seraient aujourd'hui extrêmement heureux. Donc, tout ça là, c'est à cause du 31 décembre, ils sont paniqués. Je pense que ça, c'est terminé. Mais vous allez voir le concert de José. José, le concert des artistes étrangers, là, allez-y voir, c'est plein, ça sera plein. Aujourd'hui, ils ont cherché des gens pour les payer, c'est-à-dire les payer, enterrer le ticket parce que les gens disent, Moumou Sigafé, au quoi vous sauvez, non? Le CNDD a payé les tickets, maintenant on cherchait à remettre les tickets aux gens. On dit non, au quoi vous sauvez, là, même si c'est moi. Donc, remettre, on dit non, on ne veut pas le ticket, donne l'argent. Non, si on vous donne l'argent, vous allez partir à la maison. Ah, donc vous savez qu'ils sont partis, ils vont partir à la maison. Pourquoi vous ne les remettez pas? Ils paient le ticket, on dit non, hey, venez, allez-y au concert. Hein. Ils n'ont même, vous ne donnez même pas le transport. Vous donnez l'argent, le ticket aux gens, partez. Mais pourquoi les membres du gouvernement ne sont pas déplacés? Voilà pourquoi n'accusons pas tout le monde dans le gouvernement. Il y a des personnes extrêmement conscientes dans le gouvernement. Les gens vont aller foutre quoi là-bas? Pourquoi le gouverneur de la ville, la gouverneure de la ville, la dame là, la vaurienne là, pourquoi elle ne prend pas les directeurs de cabinet, les inspecteurs nationaux, les directeurs nationaux, toutes les familles, pourquoi vous n'imposez pas aux gens de partir? Au moins, si tout ceci, ou même les militaires, vous payez les militaires pour partir là-bas, pour au moins on a le type, mais pourquoi ils ne sont pas partis? Vous savez que les gens sont fatigués, les gens sont conscients. Vous venez de chauffer les oreilles à Ben Manamanakan. Nous allons regarder ça un peu. Maintenant, regardez votre pays. Regardez-le. Ça, c'est la nouvelle photo avec les 5 étoiles. Regardez quelqu'un, regardez-le. Pour l'amour de Dieu, regardez ce type. Non, attendez. Regardez ce type, regardez-le. Regardez ce type, regardez-le. Ça, c'est lorsqu'on mettait les 5 étoiles. Regardez-le. Regardez ce visage. Regardez-le. Il est dans le vide.
sa tête là, dans le vide. Vous allez confier votre pays à ce type-là pour combien d'années? Pour 16 ans? Regardez. Qui tourne dans l'amusement, hein? Attendez. Regardons très bien par là encore. Regardez. Regardez. Là. On dirait qu'il n'a pas de coiffeur. Regardez. Quand il est assis comme ça, là, il regarde dans le vide. Regardez aussi. Ils vont, non, ils vont dire non, ça c'est pas grave. Mais regardez le drapeau. Si c'est comme ça, hein? Le drapeau est posé selon l'ordre de la République sœur du Mali, la position des couleurs. Kenimé Abrassé, il est fatigué, il n'a plus sa tête. Et vous voulez confier ce pays 16 ans de plus, 2040, à ce type-là. Hey, il est fini. Ça dit, c'est la haine. C'est la criminalité qui s'augmente dans son sang. Là, il est nerveux parce qu'il a tout fait. Ils l'ont menti. Ils l'ont dit que tu vas gouverner ce pays tranquillement. Abarabé, tout échoue. Aujourd'hui, vous le demandez en âme et conscience. Il a le regret. Pourquoi il a attaqué Alpha Condé? Il a le regret. Il regrette aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qu'il a réussi? Jusque-là, nous sommes. Qu'est-ce qu'il a réussi? Rien n'a réussi jusque-là. Rien. Tu n'es plus bébé. Ok. Donc, je vais te donner. Tout? I love you. Bye. Vous comprenez? Et vous voulez confier votre pays 16 ans 2040 en Okumatouté. Et voilà ce que le bonhomme écrit. Voilà ce qu'il écrit. Merci Ricardo Kaka, merci beaucoup Kaka, merci Ricardo. J'ai vu, hein. Voilà ce qu'il dit, Dieu merci. Parce que c'est l'artiste en question, il dit, j'ai compris jusqu'où, c'est pas parce qu'il ne comprend pas français. Voilà, il dit, Dieu merci, j'ai compris jusqu'où je vous dérange. Vous croyez gagner, hein. Dans une semaine, je mettrai du sable dans vos attiquets. Ça dit, il sait. Adresse aux autres mouvements, parce que les autres l'ont saboté, ses compagnons l'ont saboté, tous ceux qui supportent Mamadi là, ils l'ont saboté. L'enveloppe que tu as reçue là, ils demandent de partager, c'est ça. Oyna Bené, personne t'a saboté. Voilà. Je vais terminer par cette image là, une image très triste. Regardez. Excusez-moi, hein. Regardez cette image. Regardez cette image, excusez-moi. Je vais vous montrer ça. Voilà. Vous avez vu ce monsieur? Vous avez vu? Voilà. Regardez tous. Voilà. Regardez-les.
Donc, je voudrais m'adresser à Mamadi Doumbouya. Doumbouya, je voudrais m'adresser à toi. Fekan en a dit, respect. En a dit, Fekan, c'est mon artiste, c'est-à-dire ma bijou à moi. Respect, Bingyanima. Yorgo, voilà, actuellement là, autant la mandine n'aïra, mais je vais tout faire pour partir. Alati. Ou événement, Inch'Allah. Même si personne ne m'a invité, mais ainsi qu'à mon état. Voilà. Je vais montrer ça à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tu as vu ça? Voilà ce qui c'est. Jules, comment vas-tu, Jules? Je vais te dire Doumbouya. A Cortez les Kaminké. C'est ton Cortez qui a fait ça. C'est ton cortège, c'est-à-dire ton convoi. C'est ton convoi qui a tapé ce monsieur. Mais à ma fille, ils ne t'ont pas dit. C'est ton convoi. J'ai vérifié. Il paraîtrait que les Nito ont dit, Wa Falabé, Rassi Akan Samori. Ont dit, Wa Falabé, Wa Rassi Akan Samori. Ils ont tapé ce monsieur. Ils ont demandé après de l'envoyer au camp Samori. Là où il avait tapé, ce n'était pas une manifestation. Tellement qu'ils sont, chacun cherche à se faire voir. Les gens se dévient, qu'on voit dévier comme ça, vous, ils l'ont tapé. Ce n'est pas le véhicule qui a tapé le monsieur. Ce sont les militaires qui l'ont tapé. Ayam, ici. Il a dit le Kagbassi. Ce sont tes enfants qui ont tapé ce monsieur. Ce sont tes enfants. Le monsieur-là, Ayam Devratian. Ça, là, c'est sa soeur qui me l'a envoyé depuis l'Allemagne. Sa soeur. Qui m'a envoyé avec des larmes. Elle n'est pas politicienne. Hein? Elle n'est pas IFDJ, elle n'est pas RPJ. C'est son frère. Il n'a que les facteurs. Il a convoi les Kakeni Mengbassia. Elle a envoyé l'argent pour l'opération. C'est elle qui a envoyé l'argent pour qu'on opère. Mais ce sont tes petits qui ont blessé le monsieur là. Donc, en photo, le tien, comme vous savez, distribuer de l'argent. Ou latéral de manière. Ça, là, il faut réagir. Il a moi-même baqué à tort, qu'on ne sait à tort d'Allemagne. Pour aller chercher ce monsieur-là le traité. Malgré qu'ils ont fait l'opération, mais tout est enflé. À coup même de Brafa. Pourquoi je le dis? Si le monsieur-là, je ne le souhaite pas, hein, je ne le souhaite pas. Astaghfirullah, 1000 fois. Si quelque chose arrivait à ce monsieur-là, il arrivait à décéder. Nous allons faire sa guerre. Ça, là, seulement. Nous connaissons, les gens ont pris les photos du pick-up en photo B. Mais pour le moment, là, nous attendons vos réactions. Et c'est après, vous allez commencer à pleurer pour dire non, qui les a vendus les informations? Pour le moment, là, la plaque du pick-up, les militaires qui étaient là-bas, là, en bras, on s'était, parce que ce n'était pas une course de vitesse. Ils ont fait exprès pour blesser le monsieur. C'est ce que le journaliste là disait, le journaliste ivoirien là. Dans ce pays-là, on ne peut pas demander à un militaire lui demander des comptes. Il te sait. Sinon, dans une république, dans une démocratie, tu fais ça là. Je me rappelle, j'étais en vacances à Massanta. Le convoi du président Lansana à côté quittait Zérékoré. Son convoi quittait Zérékoré. Demandez à tout le monde. Le convoi a tué quelqu'un. Ils ont tapé un villageois. Ce que Lansana Conté a fait, je pense que Dieu l'a payé du bonheur, de la longévité. Le président Conté a été informé parce qu'ils ont fait escale. Le camp de Massanta est sur la colline. La villa des autres se trouve là-bas. C'est après 3 heures, 4 heures, le président a été informé. Il partait vers Dikédo. Ce que Lansana Conté a fait ce jour-là, il a appelé tous les chauffeurs. Il a demandé qui a tapé quelqu'un au village. Tout Massanta, c'est ça. Il a demandé Nda Garine.
Il partait que vous avez tué un villageois, Ndé Agarim. Je veux savoir qui l'a tapé. Et puis Amouti. D'abord, le pick-up s'est présenté. Tous ceux qui étaient dans le pick-up, ils ont été exclus du convoi du président. J'ai aimé ça. Il les a exclus. Il dit, bon, vous partez à Conakry. La façon dont il a dit, envoyez-les à Conakry, là, je sais que c'est pour les envoyer en prison. C'est lui qui a pris les frais enterrement au sac de Dieu. Le gouverneur était chargé de s'occuper de l'enterrement du monsieur jusqu'à la fin. Tout, il a ordonné au gouverneur. Ça s'est passé devant nous à Massanta. Donc, allez l'été. Il a bougé. Ah, vous connaissez cette histoire, non? Voilà. Oui, tout le monde, tous ceux qui sont à Massanta connaissaient cette histoire en ce temps-là. Ce qui m'a plu, hein, il ne s'est pas adressé au seul chauffeur. Tous ceux qui étaient le pick-up là. Chauffeur Nagaringo, mais tous ceux qui étaient le pick-up, parce que personne ne s'est arrêté. Il dit que tous ceux sont responsables. Ils les ont désarmés et armes sont ébénies. Ils ont pris les armes dans leurs mains. Ils ont dit, c'est le pick-up du camp. Les camions du camp, là, c'était le pick-up de la Croix-Rouge, c'était la Croix-Rouge, MSF, bah, quoi, là. C'est le pick-up là qui les a envoyés jusqu'à Conakry. Tous les militaires les envoient à Conakry. Le monsieur là aussi, c'est sûr. On dit que sa tête s'est enflée. Malgré que sa soeur a envoyé l'argent, on ne sait pas s'il va s'en sortir ou pas. Adam Mbafa, il est le fanaï. C'est plus sur tout ce que tu as tué dans ce pays. Mbradaï. Je vais lire le texte et puis on va le laisser comme ça. Allez les hantis. Voilà, il dit bonsoir, monsieur Benito. Je vous envoie les photos de mon frère, mon petit frère de même père, même mère, Mali Doumbouya, qui a tapé le monsieur, ce monsieur, qui était juste au bord de la route, vers le côté gauche. Ils ont décrit, hein, c'est un test, mais je prends la partie du côté gauche. Je viens d'envoyer 12 millions pour l'opération. Je viens d'envoyer 12 millions pour l'opération. Ils ne se sont pas arrêtés. 12 millions, il a envoyé 12 millions. Le médecin, ils ont tout fixé pour l'opération, tout. Il vient d'être opéré comme ça. Ils l'ont opéré. Donc, bonne nuit. À Teskayan, quoi. Il m'a expliqué comment. Parce que le monsieur était avec ses amis. Ils ont tout. Comment ça s'est passé? Alkala Oulamale Kambasi. Donc, portez-vous très bien. Et je remercie tous les anciens, les petits du RPG là, qui sont partis dans le convoi de Dansa Kuruma. Parce que Dansa, ils ont demandé la fermeture des écoles. Dansa arrive à Zéreko. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou bah, demain. Nous allons parler de ça. Bonne nuit à tout le monde. Portez-vous très bien. Voilà, nous remercions. Nous disons merci à la population de Tours en France. Nous disons merci encore une fois. Mes deux mains comme ça pour dire merci pour eux. Parce que à partir de là, je ne pense plus que le CERAG osera maintenant organiser un événement en France. Ça, c'est terminé. Ça, c'est fini. Alors, on dit que les militaires avaient été sanctionnés 3 mois sans salaire et surtout emprisonnés 3 semaines. Je suis. Ah, OK. Voilà, vous avez vu, non? Le mensonge n'est pas bon. Vous avez vu, non? Voilà. Vous avez vu, non? Les militaires avaient été sanctionnés 3 mois sans salaire et surtout emprisonnés 3 semaines. Je suis un neveu du feu général Kerfala. Ah, OK. Vous avez vu, non? Merci beaucoup, grand frère, pour le témoignage. Ça s'est passé à Massanta. Vous avez vu, il y a un témoin sur ma page. Je dis, il n'y a pas quelqu'un qui sait. On a envoyé les militaires à Conakry. Il paraît que le général Kerfala les a sanctionnés parce que c'était le patron de l'armée. Oui, parce que l'ancien compte, il a fait l'acte devant tout le monde. Il a demandé en sous-sous Nde teme di far, parce que ça va faire Nde teme di galine, il n'a mouta nara, à ou d'angibé, ou à finkara d'angibé. Ils ont remis les armes, ils ont dit ok. Ils ont demandé au commandant du camp d'organiser un pick-up pour l'embarque Conakry. Néoli m'amène. Quand ils sont arrivés là-bas, c'est la suite que le frère a expliqué. Donc on se porte, merci à tout le monde, merci pour tout. Et
Félicitations aussi au grand concert, parce que c'est ce qu'il a dit. Ce sera le plus grand concert de l'année. Le concert du jamais vu. Si ça s'est terminé comme ça, nous disons merci. Et nous remercions la population de Koléa, la population de Dixin, la population de Kaloum, la population, parce que c'est eux qui étaient convoités, parce que selon les organisateurs, avec tout Koléa, presque tout Dixin, tout Kaloum, non, il n'allait plus avoir de place, parce qu'ils ont dit qu'il n'y aura pas de place. Donc, ce n'est pas la peine d'envoyer les chaises. Vous avez vu nos causes, ce n'est pas la peine d'envoyer les chaises, ce sera plein. Demeré Timané, place là aujourd'hui, il n'y avait même pas 50 personnes. Bonne nuit à tout le monde. En tout cas, on a ma musique dit ça. Et qu'une a pris. Ok. Je dis bonne nuit. Bonne nuit à ma cousine. Bonne nuit à Mariam. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à Kaka. Bonne nuit à Madame Fanny. Dauda Fanta Konate. Bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Ina Sanji, ya Toma.